Alors dis-moi, toi, avec tous les crucifix qu'il y avait au-dessus des lits chez toi, t'as bien dû te confesser quand même, non? Oui, bien sûr, oui. Hein? Mmh. Quand t'étais petite, tu te confessais? Il y a longtemps. Il y a longtemps que ça t'est pas arrivé. Eh non. Tu veux essayer avec moi? Pourquoi pas? À confesse. Tu veux essayer avec moi? Allez. Allez, suis-moi. Brigitte Lay, mesdames, messieurs, au revoir. Brigitte, est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Ah non, rien du tout. Rien. Vraiment rien, non. À l'époque où tu faisais des films X, tu avais l'impression de commettre des péchés? Tu faisais un travail? Tu prenais ça comment? En fait, je crois que j'ai compris ce que j'avais fait après. Sur le moment, j'étais très jeune et il y avait une sorte de naïveté, d'inconscience et je vivais les choses comme aujourd'hui d'ailleurs. Quand tu as pris conscience de ce que tu avais fait, est-ce que tu l'as regretté? Je me suis empêchée de le regretter parce que le regret peut amener à la culpabilité et peut donc nous aigrir et peut donc nous casser des autres. Donc je me suis empêchée de le regretter. Si c'était à refaire? Je crois qu'il y a certaines choses que je ne referais plus, mais je ne changerais pas tant de choses que ça. Je crois qu'il y a... Je me suis un peu trop donnée, un peu trop gaspillée. Et je ne suis pas sûre aujourd'hui d'avoir réussi à effacer tout ça. Il y a des cicatrices qui ne sont quand même pas tout à fait refermées et qui se refermeront sans doute jamais. Quels sont tes tabous? Les tabous, l'inceste évidemment, parce que l'enfant n'est pas en droit de savoir ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie. Le racisme, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font par racisme et qui sont dramatiques. Mais j'ai pas beaucoup de tabous, non. Est-ce que tu crois en Dieu? Oh, oui.